أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. N'ont-ils donc pas vu qu'Allah, qui a créé les cieux et la terre, est capable de créer des êtres qui leur sont semblables? Il leur a fixé un terme, à propos duquel il n'y a nul doute. Mais les injustes s'obstinent à renoncer à la mécréance. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. Posséderiez-vous tous les trésors de la grâce de mon Seigneur, vous en retiendriez de peur d'avoir à en dépenser. L'homme est foncièrement avare. فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا. Nous donnâmes à Moïse 9 prodiges évidents. Interroge donc les enfants d'Israël à propos de lui. Lorsqu'il vint vers eux et que Pharaon lui dit « Je crois, ô Moïse, que tu as été ensorcelé. » Il répondit alors, « Tu sais bien que ceux-là, les prodiges, n'ont été envoyés d'en haut par nul autre que le Seigneur des cieux et de la terre, en signes éclatants. Et je crois, ô Pharaon, que tu es perdu. » فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا. Il, Pharaon, voulut les chasser du pays. Mais nous les noyâmes tous ensemble, lui et ceux qui l'accompagnaient. وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا. Et nous dîmes après lui aux enfants d'Israël, « Habitez cette terre, et quand arrivera la promesse de l'autre monde,
nous vous ramènerons en masse. Nous l'avons fait descendre en révélation avec la vérité, et c'est en toute vérité qu'il est descendu. Et nous ne t'avons envoyé que pour annoncer et avertir. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Et nous avons révélé un Coran que nous avons partagé en fragments, afin que tu le lises aux hommes progressivement et sans hâte. Car nous l'avons nous-mêmes fait descendre progressivement. Dis, que vous y croyez ou que vous n'y croyez pas, ceux qui ont déjà reçu la connaissance avant ce Coran se prosternent, menton contre terre, quand il leur est récité. Et ils disent, gloire soit rendue à notre Seigneur. Voilà accomplie la promesse de notre Seigneur. ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. Et ils se jettent, menton contre terre, tout en pleurs, et cela ajoute encore à leur humilité. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. Dis, que vous invoquiez Allah ou que vous invoquiez le tout clément, de quelque nom que vous l'invoquiez, il a les noms les plus beaux. N'élève pas trop la voix pendant ta salate, ni ne la baisse plus qu'il n'en faut, mais trouve-toi une méthode intermédiaire. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. Dis, toute louange à Allah qui ne s'est pas donné d'enfant, qui n'a point d'associé dans la royauté et qui n'a nul besoin d'un défenseur contre l'offense. Glorifie bien haut sa grandeur. Sourate Al-Kahf. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Je cherche protection auprès d'Allah contre Satan le maudit. بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب
الكتاب ولم يجعل له عوجا. Louange à Allah, qui a fait descendre en révélation le livre sur son serviteur et n'y a mis aucun propos sinueux. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. Un livre parfaitement droit pour prévenir d'un terrible châtiment de sa part et pour annoncer aux croyants qui accomplissent les bonnes œuvres qu'ils auront une belle récompense. ماكثين فيه أبدا. Où ils resteront à tout jamais. وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. Et pour avertir ceux qui ont dit, Allah s'est attribué un enfant. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Or ils n'en savent rien, pas plus que leur père. Quelle abominable parole sort de leur bouche. Ils ne disent là que des mensonges. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمُ إِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Peut-être vas-tu te tourmenter pour eux, à en mourir, parce qu'ils ne croient pas en ce discours, le Coran. Inna ja'alna ma 'ala l'ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala. Nous avons fait de tout ce que porte la terre une parure pour les éprouver et savoir qui d'entre eux aura accompli les meilleures œuvres. Mais nous réduirons certainement tout ce qu'elle porte en un sol aride. أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. Penserais-tu que les gens de la caverne et de Ar-Rakim soient les plus étonnants de nos miracles? إذا والفتية إلى الكهف فقالوا ربنا Quand ces jeunes gens se réfugièrent dans la caverne, ils dirent « Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde et assure pour nous la voie de la droiture. » Nous avons alors frappé de surdité leurs oreilles pendant de nombreuses années. Puis
nous les réveillâmes pour savoir lequel des deux parties savait compter la juste durée de leur séjour. إنهم فتيتنا آمنوا بربهم وزدناهم هدى. C'est nous qui allons te raconter leur histoire en vérité. Ce sont des jeunes qui ont cru en leur Seigneur, et nous les avons encore mieux guidés vers le droit chemin. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا Nous avons affermi leur cœur lorsqu'ils se sont dressés et ont dit « Notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Nous n'invoquerons nulle autre divinité que lui. Ou alors, nous aurions proféré des insanités. » لولا ياتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. Ce sont les nôtres qui ont pris des divinités en dehors de lui. Si au moins ils en apportaient des preuves d'autorité, est-il quelqu'un de plus injuste que celui qui débite des mensonges sur le compte d'Allah? Ils se sont dit après concertation, une fois que vous vous serez éloignés d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, cherchez refuge dans la caverne. Votre Seigneur alors déploiera sur vous de sa miséricorde et assurera pour votre sort une issue clémente. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. Tu aurais pu voir le soleil, à son lever, incliner vers la droite de leur caverne, et à son coucher, s'écarter vers la gauche, cependant qu'ils étaient étendus dans une vaste ouverture de la caverne. Ceci est un des signes d'Allah. Celui qu'Allah veut bien guider sera engagé sur la juste voie. Et celui qui l'entend perdre, tu ne lui trouveras aucun allié pour l'orienter. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط
لتنذر عيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. Tu aurais pu croire qu'ils étaient réveillés alors qu'ils étaient endormis. Nous les faisions se retourner tantôt sur le côté droit et tantôt sur le côté gauche, tandis que leurs chiens étaient couchés à l'entrée, les pattes étendues. Si tu avais pu les voir dans cet état, tu te serais enfui, saisi de terreur à leur vue. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Et c'est ainsi que nous les avons ressuscités, pour qu'ils s'interrogent les uns les autres. Combien de temps êtes-vous demeurés ici ? Demanda l'un d'eux. Un jour, disent les uns, ou peut-être une bonne partie d'un jour. Puis ils ajoutèrent : Votre Seigneur sait le mieux combien de temps vous êtes restés ici. Envoyez donc quelqu'un à la ville avec ses pièces d'argent pour vous chercher de ses aliments les plus purs, de quoi vous sustenter. Qu'il soit avenant et n'attire sur vous l'attention de personne. ولن تفلحوا إذا أبدا. Car s'ils venaient à vous surprendre, ils vous lapideraient ou vous obligeraient à revenir à leur religion. Mais alors, vous ne réussiriez plus jamais. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. Ainsi nous fîmes en sorte que soient retrouvées leurs traces, pour que les habitants de la cité sachent que la promesse d'Allah est pure vérité, et que l'heure est indubitable. Ils se disputèrent à leur sujet, et dirent « Érigez au-dessus d'eux un édifice. Leur Seigneur connaît mieux leurs secrets. » Mais ceux qui eurent le dernier mot dirent « Nous y érigerons plutôt un sanctuaire. »
سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. Ils diront, ils étaient trois, et leur chien était leur quatrième. Et spéculant toujours sur leur mystère, ils diront qu'ils étaient cinq, et leur chien leur sixième. Et ils diront, sept, et leur chien leur huitième. Dis, mon Seigneur sait mieux leur nombre, et il n'est que peu qu'ils le savent. Ne dispute donc point à leur sujet, si ce n'est selon ce qui t'a été révélé, et ne demande en la matière l'avis d'aucune personne. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا. Et ne dis jamais à propos de telle chose, je ferai cela demain. إلا أن يشاء. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. Si tu n'ajoutes pas, s'il plaît à Allah, Inch'Allah, évoque ton Seigneur lorsque tu viens à oublier, et dis, puisse mon Seigneur me guider et me rapprocher de la voie la plus juste. Ils demeurèrent dans leur caverne 300 ans, et il s'en ajouta 9. الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك Dis, Allah, c'est le mieux combien de temps ils y demeurèrent. À lui seul appartient l'insondable mystère des cieux et de la terre, car il n'est vu plus clair, ni ouï plus fine que les siennes. Ils n'ont nul allié en dehors de lui, qui n'associe personne à sa décision. إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. Récite ce qui t'a été révélé du livre de ton Seigneur. Nul ne peut modifier ses paroles, et en dehors de lui, tu ne trouveras aucun refuge. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم
بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Sois patient avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, qui aspirent à voir un jour sa face. Que tes yeux ne se détournent point d'eux, pour se fixer sur le faux lustre de la vie en ce bas monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur trop insouciant pour se souvenir de nous, qui a suivi ses propres désirs et qui est tombé dans les travers de l'excès. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بيس الشراب وساءت مرتفقا. Dis, la vérité vient de votre Seigneur. Croira donc qui voudra et mécroira qui voudra. Nous avons préparé aux injustes un feu dont les flammes les cerneront de tous côtés. S'ils supplient qu'on leur donne à boire, ils seront abreuvés d'une eau bouillante, comme de l'airain en fusion qui calcine les visages. Quelle horrible boisson que la leur, et quelle affreuse demeure! إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres doivent savoir que nous ne laissons pas se perdre la récompense de quiconque fait le bien. أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُضْرًا مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ مُتَّكِئِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ نِعْمَ الثَّوَابُ وَحَسُنَتْ Ceux-là auront des jardins d'Éden, où couleront à leurs pieds les rivières. Ils y seront parés de bracelets d'or et porteront des vêtements verts en soie fine ou en brocart. Ils seront accoudés sur des trônes. Quelle admirable récompense que la leur et quelle superbe demeure! وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. Donne-leur donc en exemple l'histoire des deux hommes. À l'un, nous avons donné deux jardins plantés de vignes, et bordé de palmiers. Entre les deux jardins,
nous avons ménagé un champ cultivé de céréales. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. Les deux jardins donnaient chacun sa production régulière, sans jamais y faillir. Et nous avons fait jaillir entre eux une rivière. وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. Comme il avait beaucoup de fruits, le propriétaire des deux jardins dit à son compagnon lors d'une conversation avec lui: je possède bien plus de richesses que toi et te surpasse en puissance grâce à mon clan. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا. Et il entra dans son jardin, injuste envers lui-même, par son comportement, et dit: je ne pense pas que tout ceci puisse périr jamais. ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منهما منقلبا. Et je ne pense pas que l'heure doive venir, et quand bien même je retournerai vers mon Seigneur, je trouverai certes bien meilleur lieu de retour que ce jardin. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. Son compagnon lui dit alors, en discutant avec lui: serais-tu en train de mécroire en celui qui t'a créé de terre, puis d'une goutte de sperme, et t'a ensuite modelé en homme? Or, mon Seigneur à moi, c'est Allah, et à mon Seigneur, je ne prête aucun associé. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. Pourtant, en entrant dans ton jardin, ne dirais-tu pas plutôt: telle est la volonté d'Allah. Il n'y a de force que par Allah. Si tu vois que je suis moins nanti que toi, en biens et en progéniture. فَعَسَى رَبِّي أَنْ يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا. Il se peut que mon Seigneur me donne un jour mieux que ton jardin, et envoie du ciel sur le tien quelques fléaux qu'il le réduise en terre glissante et inculte. Ou
ou que son eau soit retenue dans les profondeurs de la terre, si bien que tu ne pourras plus la puiser. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا. Et sa récolte fut ravagée. Il se mit alors à tourner et retourner ses mains, regrettant les dépenses qu'il avait effectuées, cependant que les treilles de son jardin avaient été complètement détruites. Il disait « Comme je voudrais, hélas, n'avoir jamais associé personne à mon Seigneur. » ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. Il n'avait aucun clan qui pût le secourir contre le châtiment d'Allah et il ne pouvait lui-même se secourir. هنالك الولاية لله الحق. هو خير ثوابا وخير عقبا. Car alors, la protection n'appartient qu'à Allah, le vrai. C'est lui qui donne la meilleure récompense et assure la meilleure issue. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Donne-leur en exemple la vie en ce bas monde. Elle est-elle une eau que nous faisons descendre du ciel et à laquelle se mêlent les plantes de la terre, lesquelles se transforment alors en herbes sèches dispersées par le vent. Car Allah est de toutes choses infiniment capable. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. Biens et enfants sont la parure de la vie en ce bas monde, mais les bonnes œuvres qui sont faites pour durer sont mieux récompensés auprès de ton Seigneur et promis à une meilleure espérance. Le jour où nous ferons mouvoir les montagnes et où tu verras la terre toute nivelée, nous les ramènerons en foule, sans en laisser un seul. Ils seront présentés devant ton Seigneur en rang. Voici que vous nous revenez comme nous vous avons créé la première fois. Et pourtant, vous prétendiez que nous ne vous avions pas fixé un moment de rencontre.
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Le livre des œuvres de chacun sera alors posé dans sa main. Tu verras les criminels terrifiés de ce qui y est inscrit et ils s'écrieront « Malheur à nous ! Qu'est-ce donc que ce livre qui n'omet de compter ni péché mineur, ni péché majeur ?» Ils trouveront présent tout ce qu'ils auront fait, car ton Seigneur ne laisse personne. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتْ تتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. Rappelle-toi lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, et qu'ils se prosternèrent sauf Iblis, qui était issu des djinns et qui s'éleva contre l'ordre de son Seigneur. Le prendriez-vous, lui et sa descendance, pour alliés en dehors de moi, quand pourtant ils sont vos ennemis? Quel abominable échange pour les injustes. السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. Je n'en ai jamais appelé à eux pour qu'ils témoignent de la création des cieux et de la terre, ni pour qu'ils témoignent de leur propre création. Et je n'ai pas pris pour assistants les tentateurs. وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا. Un jour il dira, appelez donc ces prétendus associés que vous me prêtiez. Ils les appelleront alors, mais ces derniers ne leur répondront pas. C'est que nous aurons placé entre eux un abîme où périr. Les criminels verront le feu et sauront qu'ils y seront précipités. Ils ne trouveront alors aucun moyen pour y échapper. وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ. Nous avons détaillé dans ce Coran divers exemples, mais l'homme est de toutes choses le plus porté à la querelle. يَهُمْ
أو ياتيهم العذاب قبلا. Qu'est-ce donc qui empêche les hommes de croire quand la bonne direction, Huda, leur est venue? Et qu'est-ce donc qui les empêche d'implorer le pardon de leur Seigneur, sinon qu'ils attendent d'être exposés au même sort que les premiers peuples, ou voir fondre sur eux le châtiment? وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُؤًا. Nous n'envoyons les messagers que pour annoncer l'heureuse nouvelle ou avertir. Mais ceux qui ont mécru disputent encore pour réfuter la vérité, mobilisant maints arguments faux. Ils tournent en dérision mes versets et les avertissements qui leur sont adressés. إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمُ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمُ الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا. Est-il plus injuste que celui qui, bien que nos signes lui aient été rappelés, s'en détourne et oublie ce que ses mains ont commis? Nous avons enveloppé leur cœur de voile et rendu dures leurs oreilles pour qu'ils ne le comprennent pas, quand bien même tu les appellerais à s'engager dans la bonne direction. Il ne voudrait jamais y être guidé. بَلْ لَهُمْ مَوْعِدٌ لَنْ يَجِدُوا مِنْ دُونِهِ مَوْئِلًا. Ton Seigneur, l'Absoluteur, qui a fait sienne la miséricorde, s'il voulait leur tenir rigueur pour ce qu'ils ont commis, il hâterait pour eux le supplice. Or, leur est déjà fixé un instant de rencontre, d'où il n'y aura pour eux nul échappatoire. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. Que de cités n'avons-nous pas anéanties lorsque leurs habitants ont été injustes, et nous avons fixé l'instant de leur destruction. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. Souviens-toi aussi quand Moïse dit à son servant: je ne m'arrêterai de marcher qu'une fois arrivé au confluent des deux mers, même si je devais continuer à le faire pendant de longues années. Quand ils furent arrivés au confluent, ils oublièrent leur poisson, et celui-ci se fraya son chemin dans la mer. فلما
فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا. Lorsqu'ils eurent dépassé le confluent, il dit à son servant, « Sers-nous notre déjeuner. Notre voyage nous a vraiment épuisés. » قال أرأيت إذا وينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا. Il répondit, lorsque nous avons fait halte près du rocher, vois-tu, j'ai oublié le poisson. Seul Satan a dû me le faire oublier et ne point me le rappeler. Et, chose étonnante, il s'est frayé son chemin dans la mer. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما قصصا. Moïse dit, c'est très justement cet endroit que nous voulions atteindre. Et ils rebroussèrent chemin vers le rocher. فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. Ils trouvèrent alors l'un de nos serviteurs que nous avions touché de notre grâce et que nous avions initié à une science de notre part. قال له موسى هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Moïse lui proposa, ne pourrais-je te suivre afin que tu m'enseignes de cette science de la droiture que tu as reçue. قال إنك لن تستطيع معي صبرا. Tu ne pourrais avoir assez de patience en ma compagnie, répondit-il. وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. Et il poursuivit, comment serais-tu supporter patiemment les choses que tu n'as pas cernées par la connaissance. قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. S'il plaît à Allah, tu me trouveras, répondit-il, plein de patience, et je ne désobéirai point à tes ordres. قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. Alors dit l'autre, si tu me suis, ne m'interroge sur rien avant que je ne t'en ai parlé moi-même. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. Ils s'enfuirent alors ensemble, et quand ils furent montés à bord d'un vaisseau, l'homme y perça un trou. En y perçant ainsi un trou, voudrais-tu donc noyer ceux qui sont à bord? Tu commets là un acte monstrueux. N'avais-je pas dit que tu ne saurais rester patient, ma compagnie? Répondit-il.
قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. Ne m'en veux pas d'avoir oublié, fit Moïse, et ne me fais pas subir d'épreuves trop pénibles. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. Ils poursuivirent leur route et rencontrèrent un jeune garçon que l'homme s'empressa de tuer. N'as-tu pas tué là un être innocent qui pourtant, lui, n'a tué personne ? Tu viens de commettre là un acte abominable, lui dit Moïse.